Bonsoir et bienvenue pour nous parler d'un nouveau sport. Nous voir football pour commencer. Le match Championship Kinzo Saudi Rovers in battre Belom 4 goals l'audé. Mais entre-temps, depuis hier, LMS United in monte deuxième le classement Championship avec 12 points, même pareil avec Montfleury qui en tête. C'est après une victoire 4-1 contre Beauvallon qui est resté toujours sans aucun point. Sa quatrième victoire dans 5 matchs pour LMS United qui est basé dans le district Limamel. Pour sa match, LMS United qui connaît qu'il y a une victoire qui pour mettre aux autres de deuxième position le classement, tandis qu'il Beauvallon aux autres qui peuvent venir aux autres premiers points par un autre position au bout de la table. Tout a bien commencé pour LMS dans 7e minute. Le cross Wayne Sarah, c'est Joey Laramé qui score de son propre la scène pour sa équipe basée les Mamel pour l'avance 1-0. LMS United qui après continue à rester sa équipe dominante avec beaucoup de sens qu'ils ont créé contre Beauvallon qui est trop tranquille, bonnet dans sa première moitié. Une bonne raison qui garde Beauvallon le back-foot est à cause de ce qui donne beaucoup de possession dans une zone défensive. Ici, dans la 19e minute, LMS en blanc, il prend boule à travers Randolph Songwa qui shot par la haut de bonne position. Mais seconde plus tard, pression LMS est payée, les temps qui tiennent un joli jeu l'équipe à partir de midi la plaine, Shaquille Songwa y double l'avantage à l'équipe en blanc. 2-0, c'est une fait living plus difficile pour Beauvallon. Mais après, dans 23e minute, Randolph Songwa fait score 3-0 avant que Beauvallon gagne son premier essai le goal par vétéran Roy Gilly. Après ça, Beauvallon a montré un peu plus de détermination pour l'offensive. Dans 26e minute, le cross Jaden Bibi, Jaden Larry devrait faire plus bien. Encore dans 28e minute, Beauvallon gagne une plus bonne opportunité le temps que Gilly a l'aide Bibi qui shot 10 à côté. Half-time, tu peux apposer, ça l'équipe en rouge, pas tu peux servir bien son bon sens, et Zota Tigan et Pini de 32e minute, le joli free kick Marius Cizette, Simon, goalkeeper Greg Govell, tu devrais faire plus bien, tout de même, score, tu arrives 4-0 de faveur LMS. Et dans 38e minute, le free kick joué vitement, Shaquille Songwa, tu forces un bon parade depuis goalkeeper Vell. Après ça, seconde plus tard, loin faute ra Leroy Gomme de défense LMS, ancien attaquant Saint-Roch Roy Gilly, qui gagne présenté avec un zone l'opportunité, mais son laissé, qui gagne arrêté par goalkeeper Raphaël Jean. Action qui t'y suivent, minute après, LMS United est une devoir d'augmenter son score après un zone isolé l'équipe, Farid Larry, qui a arrangé pour Randolph Songwa, qui n'a pas tiré 6 scores. Mais Beauvallon, tu gagnes encore 2 sens avant halftime, mais autres tu toujours peux perdre 4-0. La deuxième moitié, le team commence un peu plus meilleur, mais le sign free kick Darius Rose, c'est trop facile pour battre goalkeeper Jean. Mais dans 67e minute, joué attaquant vétéran Roy Gilly tient consolation suivant un cross pour Beauvallon réduire score 4-1. Après LMS qui sorti un peu dans autre confort pour autre retourner un peu plus fort offensive parce que pas insatisfait l'entraîneur Nigel Frémino la façon qu'ils ont typé jouer un moment là dans 72e minute Golwen Sarah pas compté à cause it offside. Faut dire qu'assistant referee James Emil fait deux bonnes décisions consécutives pour donner offside. Lolo Taction, 77e minute, ça un goal aussi par Sarah qui clairement offside qui fait score final qui peut rester 4-1 pour LMS United bat Beauvallon. LMS il monte deuxième le classement championship le 12 points. Pareil à Montfleury qui est en tête et Beauvallon il restait avant-dernier parmi 14 l'équipe. Ouais, le match aujourd'hui est fantastique, mon cas, à cause nous avons besoin de 3 points sur notre ferie. C'est mon deuxième match, performance, partie par une perspective. Au moment, on prend 3 points. Bébé. Satisfait, 4 ans, ça a été gros, tu manques? Non, tu veux mettre plus. Depuis le premier half, c'est mon. Tu vas faire. Je gagne à 4. Je dis merci, bébé. Bon match dans le cadre de la compétition Championship pour continuer demain avec encore un match. 5h30 stade l'unité, West Boys United pour jouer contre Tigers. Demain pour aussi, on a des matchs Beach Soccer.
Dans le premier match, 5h30, Equator poursuit contre Beach Boys. Ils poursuivent 6h45 avec match entre Sorry et MLUH. Bien sûr, ça a des matchs Beach Soccer poursuit contre Beach Soccer Arena. Et pour terminer, il y a un championnat mondial athlétique dans la salle qui commence demain Belgrade, la Serbie. La SBC prend nous un championnat en direct. Premier la journée pour en direct le SBC 3. Premier la journée demain à partir midi 25 jusqu'à 5h05 après-midi et après 8h20 à soir jusqu'à minuit 40. Samedi le 19 mars, transmission sans championnat pour commencer à partir midi 20 jusqu'à 4h10 après-midi l'OSBC D et après reprend 8h30 du soir jusqu'à 1h20 bon matin l'OSBC 3. Dimanche le 20, il peut commencer à partir midi 55 et aller jusqu'à 4h20 après-midi l'OSBC D. Il pourrait prendre 7h35 du soir jusqu'à minuit 5 l'OSBC 3. Bien voilà, Nouveau Sports, il termine là pour aujourd'hui. Merci pour suivre.